Depuis quelques années, on assiste à une mutation de la figure de l'auteur, bien loin de l'auteur du 19e siècle ou du 20e siècle, qui était un auteur qui s'appuyait complètement sur son éditeur pour pouvoir diffuser et porter son œuvre. Ce qu'on appelle le nouvel auteur, c'est un auteur qui est de plus en plus investi dans la propre diffusion de son œuvre, hors les murs de la maison d'édition. C'est donc un auteur qui est de plus en plus acteur de sa propre médiation. Ce bouleversement et cette mutation s'inscrit dans une autre mutation qui est celle de l'écosystème de la littérature et de l'édition littéraire en général. On assiste à plusieurs phénomènes en même temps. D'une part, le nombre de gros lecteurs est en diminution constante depuis 40 ans. Les gros lecteurs, c'est ceux donc qui lisent plus de 20 livres par an. Et d'autre part, on assiste aussi à un affaiblissement des canaux habituels de prescription littéraire, c'est-à-dire la radio, la télévision ou les journaux. Enfin, le marché est marqué par une hyper-bestsellerisation, ce qui fait donc que tout auteur a évidemment du mal à trouver sa place. Rajoutez à ça l'arrivée du numérique qui change les pratiques de toute la chaîne du livre et on aboutit à une situation absolument nouvelle qui impacte évidemment l'auteur. Les manières qu'a l'auteur de se comporter différemment et de porter mieux son œuvre sont multiples. D'une part, il tend à se professionnaliser, c'est-à-dire que certains d'entre eux font appel à des agents, d'autres contournent l'édition classique et se lancent dans l'auto-édition. On constate aussi une grosse hausse des auteurs qui se servent des réseaux sociaux pour pouvoir diffuser leur propre œuvre, mais aussi créer des liens beaucoup plus proches avec leurs lecteurs, des rapports presque horizontaux. Donc les auteurs deviennent des figures publiques, alors qu'auparavant, c'était des figures beaucoup plus dans l'ombre. Et là, ils arrivent à des rapports de très grande proximité. Enfin, beaucoup d'auteurs tendent à aller en librairie pour ces fameuses tournées qui sont menées courantes pendant la rentrée littéraire et parcourent la France, arpentent la France avec leur bâton de pèlerin pour diffuser leur œuvre. Quand ils y vont, certains vont jusqu'à mettre en scène leurs œuvres. Ça peut être de manière musicale ou théâtrale. Et de cette manière-là, ils font revivre leur propre œuvre et apprennent à la diffuser de manière différente et à se faire connaître de façon différente par leur public. Donc l'objectif de cette table ronde est justement de comprendre les impacts de cette mutation sur les professionnels du livre. C'est donc une table ronde interprofessionnelle qui permettra à chaque maille en fait, de la chaîne du livre de pouvoir exprimer son ressenti par rapport à ça. D'abord, on va essayer de comprendre, pour un auteur comme Marcus Maltz, ce que ça signifie, ces mutations. Est-ce qu'il se sent, lui, plus acteur de sa médiation? De quelle manière il arrive à mettre en scène et à accompagner ses textes? Et enfin, et c'est une question très importante, est-ce qu'il fait ça par sens du devoir, presque par obligation? Est-ce qu'on est, en fait, la vraie question, et est-ce qu'on est maintenant obligé, quand on est auteur, d'aller en librairie, de se mettre en scène pour vendre son ouvrage? Ou est-ce qu'il fait ça par plaisir, par nécessité, presque, pour nourrir le processus de création qu'il mettra en œuvre dans ses prochains romans. Au-delà de l'auteur, on va interroger aussi un libraire. Et la question aussi se pose là, de quelle manière, quand on est libraire, on fait venir des auteurs en librairie, comment on arrive à mettre en lumière ces auteurs, en se mettant peut-être derrière eux, ou plutôt en les faisant prendre la lumière, ou est-ce que parfois, il ne suffit pas tout simplement en fait, de les laisser juste être eux-mêmes? C'est des questions qui sont très importantes et qui concernent aussi évidemment les bibliothèques. Quand on est en bibliothèque, comment, surtout dans des territoires ruraux, ce qui va nous concerner aujourd'hui, comment on fait pour faire venir des auteurs? Comment on fait pour travailler en partenariat avec des librairies? Comment on met en place ça pour pouvoir, d'une part, mettre en lumière l'auteur, certes, mais aussi apporter du public à ces rencontres? La question pour les éditeurs est très importante aussi, puisque ces mutations changent les rapports que l'auteur entretient avec l'éditeur. De quelle manière un éditeur réagit à un auteur qui se met plus en avant, qui est peut-être plus conscient aussi de ce qu'il veut faire de son texte? De quelle manière on travaille ça avec lui? Et quand on est éditeur, comment aussi on arrive à accompagner son auteur sur les différentes rencontres? De quelle façon on met ça en place? Enfin, évidemment, pour le festival littéraire, la question est essentielle, c'est-à-dire de quelle manière on choisit les auteurs. Là, pour le coup, c'est un festival de premiers romans. Comment on choisit les auteurs qui seront là? Selon quel processus? Et comment on fait venir du public à une rencontre qui, par définition, vu que s'agit de premiers auteurs, ne va pas forcément attirer les foules étant attirées par les grands noms? C'est toutes ces questions-là qu'on va se poser, d'abord pour réfléchir à ces mutations, mais aussi
de façon très concrète. Comment la chaîne du livre peut travailler ensemble? Comment répondre à chacun de ces questionnements-là pour servir au mieux l'auteur, aussi les lecteurs et aussi leur profession?